Et nous voilà arrivés chez Costco et vous voyez que mon ange blond, elle est déjà à l'intérieur. Hein. Alors vous voyez, vous avez compris. Voilà. Pour 14 dollars. Voilà, vous avez compris. Alors, vous avez vu, c'est déjà Noël. Et alors attention, le lampadaire kitsch, hein, c'est quelque chose. Ah, la crèche. Et la crèche. Elle est belle, la crèche, par contre. Alors voilà, pourquoi j'en ai tout plein. Oui, mais là, il n'y a que des grandes tailles. Y a regardez-moi même pas de ça. 4,97, les polos, regardez, les shorts, la jolie chemise bleue. Les chemises. Ah, les pantalons shorts, 4,99. 32, c'est trop grand. Hein? On aurait tort de se priver. Vous n'avez pas cette chance en France. Ça démarre au 32. Yeah. Surprenant, non? Les shorts aussi, 5 dollars. Et voilà, regardez. Ils aiment bien aux États-Unis décorer leur maison. Alors vous en avez partout des décorations de Noël. Voilà, et les sapins de Noël. Et les boules. Les jouets. Encore des sapins. Non, hein? À part un short à 5 dollars. Et un livre. Et là, c'est Halloween. Avec tous les costumes d'Halloween. Et. Pardon? Ça, c'est pour Halloween à la fin du mois. Voilà. Et ça, c'est pour picoler. Mais moi, j'ai plus le droit. Alors, comme je veux me faire des avocats, je vais planter des avocats de Mexico. Celui-là, il est mou. Il est mou, dit dur. Celui-là, non, je préfère dur parce que j'ai tous les autres à manger. Encore. Alors, je ne sais pas combien ça coûte en France, vous voyez, mais là, c'est 6 dollars, c'est-à-dire 1 dollar l'avocat. Voilà, je te prends des durs. Il y en a toujours un mou, bah, tu mangeras le un mou et les autres, tu le laisses. Alors ça, c'est, ça s'appelle comment en France? Des grenades. Grenades, voilà. Tu veux? Allez. Et alors s'ils vendent le cajot plein? Voilà, on ne peut pas en avoir moins. Elles vont toutes pourrir d'ici que je les mange. Hein? Alors là, je suis en train de chercher si je ne trouverais pas un truc comme ça sans sucre. Mais j'ai du mal, hein. J'ai du mal, hein. Ah là 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 là, plus jamais. Et ça là-bas, hein, franchement, les croissants, oh, je les mettais au four avec un peu de Nutella dessus. C'était pas mauvais. Et voilà, et j'en aurais plus, et ça. Ah là là, ah là là. Regardez-moi ça. Des muffins, ça s'appelle, à tous les parfums. Et voilà. Non, non, Dominique, je n'en ai pas pris des muffins. Alors ça, je peux pas non plus, parce que c'est pas des... C'est tout farm. C'est tout farm. Alors, je peux pas non plus. Alors, vous voyez, ça commence à être difficile d'acheter pour moi. Pareil, la viande rouge, j'oublie de la viande rouge. Et voilà, regardez-moi ça. Ça, les sandwichs là, avec un croissant, qu'est-ce que c'était bon.
ces trucs-là. Pourquoi tu dis qu'il n'y a rien qui te plaît? Ah, parce que ça, c'est pas un magasin si, normal. Je veux dire, c'est en grosse quantité, mais j'ai pas envie d'acheter. Je vais aller voir. Alors, vous voyez, 2,89 la livre. La livre, c'est 450 grammes. Mais c'est des paquets qui font à peu près 10 pounds chaque fois. 10 pounds. Voilà. Donc, qui va manger 10 pounds? C'est pour des grandes familles, quantité énorme chaque fois. Et ces magasins sont des prix absolument incroyables. Tellement c'est bon marché. Allez, je vais me faire un peu de mal, hein. Voilà, je me fais un peu de mal. Qu'est-ce que j'aimais ça? Toblerone, Godiva. Voilà, et voilà, je ne pourrai plus jamais toucher à tout ça. Et tous ces trucs que j'adorais, eh ben, je peux regarder comme je veux. Il y a toujours des cochonneries dedans. Ou de la maltodextrose, ou de la dextrose, ou maltodextrine, ou maltatol. Il y a toujours des saloperies. Voilà. Vous vous rendez compte, même dans les crevettes sauvages. Maintenant, c'est les légumes. Et les fruits. Et ça s'appelle le Key Market. Mais des fruits, j'ai pas le droit, moi. Moi, oui. Voilà. Vous avez vu comment elle est? Franchement. Et ils delivered. Les grosseries, le delivered. Ouh, regarde les beaux fruits, Dominique. Ouh là là. Voilà les supermarchés à l'américaine. C'est-il pas beau? Regardez, même les bouteilles, elles sont bien présentées. Et les fruits, c'est par là. Il y a des espèces de drôles de fruits que je connais même pas. Dragon fruit. Oh, bonjour madame. Les bananes. Bananes. Bon, moi je vais voir les fruits. Alors, eh ben tiens, toutes les couleurs de poivrons. Alors, il paraît que les poivrons colorés sont plus sucrés. Bon, alors je sais pas quoi faire. Alors, bon. Poivron jaune, poivron orange, poivron jaune, rouge, brocoli sprout. Brocoli, céleri. Et voilà. Ah, ça va pas, je vais pas kiffer, hein. Alors maintenant, là ils les vendent à l'unité, alors c'est quand même c'est plus mieux. Facile. Deux grenades. Voilà, deux grenades. Fais attention qu'elles ne nous pètent pas à la gueule. Et tout ça, c'est pas pour moi. Ah là là là, oh là 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 là, regardez-moi comme c'est appétissant ça, hein, et en blanc encore, en plus. Et le chocolat, la noire, c'est pas marqué, quel pourcentage? Et ça? Ouais, pourquoi pas. Hein, avec de l'ail, je vais te les faire. Ouais, et il y a quoi dedans? Il n'y a rien.
Voyons un peu. Zéro sucre, zéro carbs, vitamine D, ONG, calcium, iron, potassium. Voilà, là, ils ne sont pas collés de saloperies dedans. Non. Hein, c'est bien. Ok, allez. Voilà, ma femme, elle a encore vu des choses. Des colossales coquilles Saint-Jean. Wow. C'est pas cher. En promo, à 9. 99 la livre, ça fait. Contre 18. Ouais, moitié. Ah, tout à fait. Non. Ben, j'ai peur un peu. Hein, ouais. J'ai peur parce qu'elles sont l'air vraiment grosses. Ah, les sauces. Les sauces. Moi qui cherche toujours des sauces. C'est pas les sauces qui manquent, mais c'est plein de cochonneries dedans. Dominique m'appelle, elle a vu quelque chose. Oh, de la charcuterie. La charcuterie, de la viande rouge. Non, tous des trucs que j'ai pas le droit de manger. Thank you. Et là, de l'autre côté, du fromage que j'ai pas le droit de manger non plus. Et voilà, on a fini. Oui. Je suis pas très doué, hein, les amis, hein, pour marcher droit avec une caméra. Je préfère quand elle est sur pied. Et voilà, alors... oh, je suis surpris. Je suis surpris, voilà, je suis pris. De nouveau un lait d'amande à la vanille. Et voilà, elle recommence. Je voulais prendre des petits gâteaux. Et bien là, il y en a des petits gâteaux, regarde. Ouh, les beaux petits gâteaux, regarde. T'aimes pas les bons gâteaux comme ça? Bon, les gâteaux secs. Eh ben, allons à la recherche des gâteaux secs. Eh ben, ouf, c'est terminé. Qu'est-ce que j'aime pas aller faire les courses. Et elle croit me faire plaisir quand elle m'emmène en plus. Et ça me casse les pieds. Je préfère rester à la maison et jouer avec mes appareils photo, hein. Oh Dominique, je te remercie, j'ai passé une super après-midi. Oui, on a acheté que de la bouffe. Voilà, j'adore aller faire les courses avec toi. Non, tu m'as acheté un short. Eh bien, bonsoir les amis, et puis je vous souhaite une bonne nuit, parce que chez vous, il est 10h moins 20, chez nous, il n'est que 4h moins 20. Je vous souhaite une bonne nuit, à bientôt, bye bye. Salut les amis. 8$. Et j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, la majorité des choses, 8$, MBA, c'est la majorité des choses, c'est des marques en plus. Hein. Ouh là là, Tommy Hilfiger, 20$. Ah, il y en a des chers aussi, hein. Alors avant, je ne trouvais pas ma taille parce que tout était trop grand, trop petit, je veux dire, excusez-moi. Et maintenant, eh ben, c'est exactement le contraire, voyez. M, ben, celle-là, je vais la prendre certainement, voyez. 8$, une jolie chemise, 8$. Et voilà. Vous voyez, on ne se ruine pas. Et c'est vrai que je peux en avoir un peu trop, c'est pas trop grave à ce prix-là. Ça me coûte moins cher que mon repas que je ne mange plus. Voilà, Hurley,
10$, mais ça des t-shirts j'en mets pas. 10$. Non, celle-là, 8$ me va très bien. Under Armour, 10$, vous voyez, c'est pas... Et c'est toujours, habituellement, en plus, des marques. 6$. Bah, celui-là, je crois que je vais pas m'en priver non plus, surtout que j'aime quand il y a du spandex, parce que comme il fait chaud ici, eh ben, on transpire pas. Et j'aime aussi les chemises en coton. Alors voilà, un t-shirt à 8$ et une chemise à 6$. Voilà, c'est moins cher que le resto. Ça doit être beaucoup plus cher, vous voyez, 29, parce que bien sûr c'est Ralph Lauren. Et voilà les amis, et ben comme ça je vous ai montré, voilà, je vous ai montré pourquoi, vous voyez, j'ai beaucoup de chemises et beaucoup de trucs. Quand c'est pour rien, je les achète. Et ben très bonne journée.